והישעד על אבותינו והישעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והישעד על אבותינו והישעמדה Je cours de toi les mishmat des jeunes filles Sarah Yet Zichrona Lebracha. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont très concernés par ce qui se passe. On voit beaucoup des gens qui font des teshuva. Beaucoup des gens qui retournent à la Torah parce qu'ils voient des choses comme ça qui se passent, des jeunes filles qui font des accidents, des jeunes hommes. Il y a un passouk dans la paracha de la semaine sur Yosef Hatzadik. C'est écrit Vayi Hashem et Yosef Vayi Matzliah Vayi Bebet Adonav. C'est un passage qui dit que Youssef, Hachem le protégeait, et que Youssef, il a réussi dans la vie, et il était chez son maître. Il faut savoir que la réussite de la personne, elle n'est pas inventée. La réussite de la personne, il faut la mériter. Il y a beaucoup de gens qui croient réussir. Les gens, ils veulent réussir. Réussir, c'est une phrase qui est très facile à le dire. Ou des fois, on souhaite à quelqu'un Shabbat Shalom. C'est une habitude, bonne journée. On dit à quelqu'un bonne journée, Shabbat Shalom. Et c'est quelque chose qui est très simple à dire. Très simple à dire à quelqu'un, je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite. Mais c'est pas facile. On se souhaite. Un Shabbat Shalom. On souhaite à quelqu'un un Mazal Tov, bonne réussite au mariage. C'est un souhait. Mais vous avez une chose. Un souhait, c'est une chose. Et l'avenir, c'est une autre chose. Beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent chez moi pour te demander une bracha, une prière, pour qu'ils réussissent, pour qu'ils gagnent le permis. Ou bien ils veulent un scooter, ou ils veulent. Et réussir le permis. Moi, j'ai toujours dans ma tête une chose. Jamais je fais une bracha à quelqu'un pour réussir le permis. Jamais. Pourquoi pas sacher mes chevaux que Dieu préserve. Et ici, il fait un accident. Donc toujours, la bracha que je fais, et si Dieu veut, que si tu n'as pas d'accident à faire, que tu réussis. Mais que Dieu préserve, si je fais une bracha pour le jour qu'il va faire, le jour qu'il va... Le jour qu'il va réussir son permis, il va faire un accident, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Donc, réussir, il faut qu'il y ait l'aide du ciel. Il faut qu'il y ait Kadosh Baruch Hu qui l'aide. Mettez ça dans la tête. Si Hachem il n'aide pas, il n'y a pas de réussite. Et c'est ce que le passage qui dit. Vayi Hachem et Yosef. Hachem était avec Yosef. Et parce qu'Hachem était avec Yosef, Vayi Matzliah. Il a réussi. Était dans la maison de son maître. Qu'est-ce que la Torah est venue nous dire? Il était dans la maison de son maître. Et alors? Où il va être? La réponse, elle est vivre, être juif et vivre autant que juif dans un endroit sale, un endroit où il n'y a que des femmes, un endroit où il n'y a que des la Touma, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas facile, hein, je vous le dis. Je voudrais vous dire, il y a 2 semaines, J'étais quelque part dans le monde, je ne peux pas vous dire où. Et je devais aller placer mes usas dans une maison, mais ce n'était pas une maison, c'était énorme, c'était le Stade de France. C'était une maison que j'ai jamais vue dans ma vie, très grande maison. Et la maison, c'était presque sur un plateau. Puis je lui ai dit,
À vue d'œil, vous avez besoin au moins de 200 mezuzot. Combien de mezuzot vous avez? M'a dit, j'en ai une seule. Une seule? Mais cette maison, mais c'est pas une maison, c'est un palais. M'a dit, non, ça me suffit une. Et je lui ai demandé, et où tu veux que je t'amène cette mezuzah? Où? Il faut savoir, où? Il faut ça réfléchir. Il me dit, dans la cave. Dans la cave? Qui c'est dans la cave? Le vin? Qui c'est dans la cave? Il me dit, le coffre. Tu veux une mezuzah pour ton coffre? C'est ça tu penses? Tu penses qu'à l'argent. Tu veux une mezuzah dans ton coffre. Et la salle à manger. Et là où tu dors. La maison. Pour que les voleurs n'entrent pas chez toi à la maison. Pour que tu sois protégé. Tu penses qu'à l'argent. C'est tout. À l'argent. C'est ce que la Torah veut nous apprendre. La Torah veut nous apprendre que réussir là où tu es. Là où tu es. Que tu es à Paris. Que tu es à Hong Kong. En Asie. Que tu es là où tu es. Il faut savoir que pour la réussite, il faut beaucoup, beaucoup de travail de la personne lui-même. Et bien sûr, il y a l'aide à Kadosh Baruch. Vaïe Hachem et Yosef. Hachem était avec Yosef. Vaïe Ishmatzliya. Il a réussi. Pourquoi il a réussi? Parce que Hachem est avec lui. Et pourquoi Hachem est avec lui? Parce que lui aussi, il est attaché à Kadosh Baruch. Être attaché à Dieu. Tu veux que Dieu soit avec toi, toi aussi tu es attaché à lui. Et là où tu es, Vaï Youssef, même qu'il était chez son maître, et son maître c'était un grand rachat, il a réussi même là-bas. Pourquoi? Parce que Youssef a dit qu'il voulait rester Youssef. Vous savez, beaucoup des gens, ils sont très 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 aujourd'hui, c'est le phénomène. Les jeunes, ils ont peur. Chacun vient me parle de cette Sarah la pauvre. Chacun vient me parle d'elle. Chacun vient me parle d'elle. Ses copines, ses amis, la famille. Parce que vraiment, ça choque. Ça choque. C'est choquant. Ça choque tout le monde. Ça choque les religieux, les non-religieux. Ça choque les arabes, les non-juifs, les non-juifs. Ça choque tout le monde. Une jeune fille qui est dans une voiture. Ils ne comprennent pas ce qui est posé dans le coffre, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé là-bas. Et surtout, la façon comment elle est morte, ça choque et ça fait peur. Permettez-moi de vous dire une chose. Ce que vous avez entendu, c'est ce que j'entends chaque jour. Vous avez entendu ça, ce drame de Sarah Hayat, la pauvre qui est décédée il y a 2 semaines ou 3 semaines. C'est ce que vous avez entendu il y a 3 semaines. Moi, chaque jour, j'entends 3, 4, 5 cas comme ça. Parce que vous savez, je reçois des coups de téléphone du monde. Chaque jour, j'entends que des... Mais chaque jour, je me dis, chaque jour, je pense à mon grand-père. Quand mon grand-père, la vache à l'eau, avait fait une couteau. Chaque fois qu'il sortait de la maison, il mettait ses mains dans la mezouza. Il regardait la mezouza, il disait, par le zéchout de cette mitzvah de la mezouza, que je retourne ce soir à la maison. Parce que quelqu'un quitte la maison, il n'y a aucune garantie qu'il retourne à la maison. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. On prend le scooter, on prend la voiture, on sort et voilà. On ne sait pas ce qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais, on sait une chose. Avec l'aide de Dieu, l'aïmouna, c'est ce que Rabbi Haïm, mon grand-père, la vache, il embrasse la mezouza. Il dit, pas le zéchout de cette mitzvah-là, de la mezouza, et bien que Hachem fasse que je retourne en bonne santé ce soir. Comme ça, c'est pas... C'est-à-dire qu'il faut prier. Il faut prier que je sors travailler et que je retourne à la maison en bonne santé, sans faire d'accident. Et c'est la bouteille. Youssef a tzadé. Youssef a tzadé. Vahi Hachem et Youssef. Et Hachem, il était avec Youssef. Pourquoi Hachem était avec Youssef? Parce que Youssef était avec Hachem. Écoutez, je vous en prie. Vous voulez que Hachem soit avec vous? Il faut vous aussi que vous soyez avec lui. Vous ou pas? Et c'est logique. Papa. Vous appelez votre père papa. Pourquoi vous l'appelez papa? C'est votre père. Pourquoi c'est votre père? C'est lui que vous avez eu, c'est votre père. Donc lui, il te dit mon fils, toi tu l'appelles papa. C'est comme ça, c'est papa, mon fils. Lui, toi tu l'appelles papa, lui tu l'appelles mon fils. Donc il faut qu'il y ait
et le fils. Donc, il y a un contact de famille. Avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem, ça doit être pareil aussi. Vahi Hachem et Yosef. Et Hachem était avec Yosef. Pourquoi Hachem était avec Yosef? Parce que Yosef était aussi avec lui. Et c'est logique et c'est normal. Parce qu'Hachem était avec lui, parce que Yosef était avec Hachem, était connecté à lui, était attaché à lui. Alors Akadosh Baruch Hu aussi était avec Yosef. C'est la raison pourquoi la Torah dit Vahi Ishmatzlia. Il a réussi. Et non seulement il a réussi en Égypte, mais même Bevet Adonab, là où il y a cette femme-là qu'elle embête chaque jour, cette femme-là, la femme de Potiphar qu'elle a voulu qu'elle faute avec lui. Et la Gemara a dit combien de fois elle a tenté, chaque jour elle a tenté plusieurs tentations. Et sa vie a changé beaucoup de fois de ses vêtements pour qu'il tombe dans le piège de sa beauté, pour qu'il faute avec elle. Et lui, Vahi Bevet Adonab, et lui était chez elle, et lui était à côté d'elle, et il n'a pas fauté avec elle. Pourquoi? Parce que Hachim, il l'a protégé. Vous savez, il y a un juif qui habite à Paris, je ne peux pas vous dire son nom, mais c'est un de nos élèves. Il devait venir passer avec moi à la fête de Kippour à Lyon, il y a une dizaine d'années. Et voilà, le soir, après le repas, avant qu'on commence le jeûne, il vient chez moi et me dit: Rabbi David, il faut que je vous raconte quelque chose avant la fête de Kippour. J'ai dit: Xia. Il me dit: Vous savez, Rabbi David, aujourd'hui, je n'allais pas venir. Je dis: Pourquoi? Il me raconte une histoire terrible. Il me dit: Je suis parti à la banque pour déposer les chèques et prendre le train pour venir. Et je vais à la banque. Et voilà l'une des responsables de la banque, une femme, qui était amoureuse de lui. Et elle a déclaré qu'elle aimait Shnugoya, non-juif. Elle a déclaré qu'elle l'aime ce jour là-bas. Elle lui dit: ça fait un an que je m'occupe de ton compte et jamais tu m'as invité à manger. Alors, puis il pense à Kippour, c'est la veille de Kippour, il pense qu'il allait venir chez moi, et puis elle il prend ses mains. Tout de suite, à quoi il pense à Youssef. Il laisse l'échec, il se sort, il quitte, il se sort. Il dit: il a tout laissé. Ben, je lui dis: exactement, tu as fait ce que Youssef HaTzadik il a fait. Youssef HaTzadik, la Torah nous raconte que lorsque la femme de son maître, elle a attrapé Youssef, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie par tous les moyens de s'échapper. Une fois qu'il s'est échappé, même sans vêtement, il l'a laissé entre ses mains. Alors moi, je lui ai posé une question. Mais pourquoi il lui a laissé son vêtement entre ses mains? C'est une preuve, oui ou pas? C'est une preuve que j'ai. Par exemple, vous savez, un voleur qui laisse sa veste dans une maison, c'est une preuve qu'il était là, oui ou pas? C'est une preuve qu'il était là. Un voleur, il n'est pas fou. Un voleur qui s'y fait, jamais il va pas être fou pour laisser son passeport à la maison ou sa carte de visite à la maison. Non, ça n'existe pas. Donc, Youssef HaTzadik, lorsque la femme de son maître, elle a voulu le prendre pour fauter avec elle, lui, il s'est défendu et il est parti en lui laissant sa veste ou son pull ou sa chemise entre ses mains. Mais il aurait pu le prendre avec lui pour ne pas laisser de preuve. Mais vous savez, une fois j'ai dit à quelqu'un que beaucoup de fois le Sahara, et c'est vous êtes tous des jeunes. Je vous savez une chose, des tzadikim. Oui ou pas? Hein? Vous êtes oui ou non? Vous êtes tzadikim. Voilà, très bien. D'où on a la preuve qu'on est tzadikim? Parce que la Torah dit Ve'amer kulam tzadikim. Et déjà, le fait que vous êtes là, le fait que vous venez le jeudi soir écouter un cours, ça prouve que vous êtes tzaddik. Qui? En général, c'est dur de venir. Vous venez.
pour moi, vous êtes tzadikim. Et là, je suis à toi là-bas, le petit jeune là-bas derrière, à côté. Quel âge tu as? 14 ans. Tu es tzadik toi aussi, hein? Ah ben c'est bien, je suis très fier. Très fier. Je suis fier de vous. Que le bon Dieu vous protège. Alors vous savez que être tzadik, c'est lorsque, surtout lorsqu'on est jeune. On est jeune avec toutes les tentations de la jeunesse. Et on surmonte les tentations, parce qu'avec une Sahara, c'est très dur. Le combat, il est dur. Très dur. Très, très dur. Il ne faut pas lui donner le temps. C'est-à-dire, il ne faut pas dialoguer avec lui. Dès qu'il commence, il faut le lâcher, il faut partir. Il y a quelqu'un qui m'a posé des questions. Il me dit, Rabbi David, j'ai des mauvaises pensées. Je lui dis, dès que tu commences à penser, il faut arrêter. Dès que tu commences à penser, il faut arrêter. Une fois, j'ai à la synagogue, j'ai vu quelqu'un qui était comme ça. Il était assis, il avait les mains sur eux, il tenait sa tête avec ses mains, et il avait l'air pensif. Il avait l'air très, très pensif. Mais moi, j'étais un bon spectateur. Je le surveillais, je le regardais, je voyais où il voulait en arriver. Et à un moment donné, il a commencé à rigoler tout seul. Tout seul. Il rigole, après il a vu que je le regardais, il s'est réveillé un peu de ses pensées, mais après encore il a plongé encore dans ses pensées. Et après la prière, je lui dis, dis-moi David, à quoi tu pensais? À quoi tu pensais? Il a rougi. Je lui dis, dis-moi à quoi tu pensais, peut-être je peux t'aider. Il dit, mais c'est bête. Je lui dis, c'est pas grave, c'est bête, c'est pas grave. Je dis, à quoi tu pensais? Il me dit, non, je pensais quelle peinture j'allais, c'est pour la fête de Pessah, je vais peindre à la maison, mais j'ai dit très bien, mais après tu as rigolé un peu, pourquoi tu as rigolé? Il me dit, vous avez vu? J'ai dit, oui, je t'ai vu. Il me dit, parce que je sais que ma belle-mère, elle va s'opposer. Alors le fait de penser que ma belle-mère, elle va s'opposer, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, ça veut dire que tout ce que tu as pensé pendant la prière, ta belle-mère est la cassée. Ou pas? Ta belle-mère est la cassée. Dès que tu commences à penser, il faut arrêter. Il faut arrêter. Dès que tu commences à penser, il faut arrêter. Et c'est ça, Youssef HaTzadik, lorsque la femme, elle a commencé à se battre avec lui pour ne pas qu'il quitte la maison, la seule chose qu'il avait, Youssef, à faire, c'est de s'enfuir, de se sauver. Rester une minute en plus avec elle, peut-être il allait, que Dieu préserve, peut-être il aurait fauté, peut-être il serait resté, parce que s'il va se battre avec elle pour le vêtement, peut-être elle va le séduire. Donc il n'a pas voulu prendre risque, il est parti. Vous savez mes amis, nous sommes aujourd'hui à la veille de Hanouka. Je voudrais poser une question et je vais essayer que nous tous on essaie de trouver une réponse. C'est quoi le miracle de Hanouka? Le miracle de Hanouka, c'est les Juifs, ils ont chassé les Grecs d'Israël, ils ont gagné la guerre, ils étaient une poignée d'hommes contre des milliers de soldats grecs. Ils les ont chassés de Jérusalem. C'est un miracle. Hein. C'est un miracle. Surtout, ils étaient cinq, Matatia et ses frères et ses enfants. Ils n'étaient pas nombreux. Moi, j'imagine, beaucoup de fois, j'imagine cinq personnes qui font la guerre. Mais j'imagine cinq personnes qui font la guerre avec des milliers. Je comprends pas. Je peux pas imaginer. J'arrive pas à comprendre comment. Mais il faut savoir une chose, que à Kadosh Baruch Hu, il faut avoir la émouna, il faut avoir la foi. À Kadosh Baruch Hu peut tout faire. J'ai raison ou pas? Oui ou pas? Faut avoir l'aimona. Que Hachem, il peut tout faire. Faut être convaincu. Que Hachem, il peut tout faire. Faut avoir l'aimona à Kadosh Baruch Hu. Si la Torah est dit, une personne, vous savez qu'en Israël, pendant la guerre,
Ça, c'est très connu. Ça, c'est ce que je vais vous raconter, c'est très connu. Je ne peux pas vous dire si c'est... Beaucoup des fois, des soldats qui racontent qu'ils ont vu des... Qu'ils ont vu des ravins. C'est inimaginable. La Torah, elle dit, lorsqu'on suit le chemin d'Hachem, un soldat, il peut combattre des milliers. C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur de croire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Votre existence à vous aujourd'hui. Combien on est? Combien on est dans le monde? On croit qu'on est des milliards. On est à peine quelques millions, c'est tout. Hein? Jamais, jamais on était nombreux. Les juifs, jamais on était nombreux. Chaque fois, il y avait une Shoah. Chaque fois, que ce soit à l'époque des croisades, que ce soit... Je pense que, d'après l'histoire, les juifs, ils ont bien vécu uniquement chez les Arabes. Oui, par exemple, les juifs qui ont vécu en Iran, en Irak, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. C'est le seul pays où les juifs, on a bien vécu. Mais les juifs en Europe, ils ont beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup souffert. Hitler, les croisades, Élisabeth la catholique, l'acquisition espagnole et en Portugal. On a beaucoup souffert. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y avait une fois Bishua ben Hanania qui se promenait avec l'empereur romain et qui lui dit Rabbi Hanania, je vois, il y avait un juif qui passait. Il lui dit, je vois un mouton entre 70 loups et personne ne le touche. Et Rabbi Bishua ben Hanania lui dit, Majesté, toi tu vois le mouton, mais si tu vois le berger. Et tu vois le berger qui protège le mouton. Eh oui, nous, on est en France. On est à gauche et à droite. Mais il y a un berger. Il y a Kadosh Baruch Hu qui nous protège. Il y a Hachem qui est là. Adonai, Roé, Lo Yahsar. Kadosh Baruch Hu, c'est mon berger. Lo Yahsar. Lorsqu'on désire Hachem comme berger, Lo Yahsar, il ne me manquera de rien. Mais lorsque je vais dire, eh bien, je dépends de moi, lorsque je ne vais pas dépendre d'Hachem, lorsque il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi je suis, moi. Attends, avant de dire moi, et Hachem, c'est quoi Hachem dans l'histoire? Un homme qui dépend de HaKadosh Baruch Hu, un homme qui dépend d'Hachem, alors HaKadosh Baruch Hu, il l'aide. Et c'est ça ce qu'on voit dans la Passouk. Vayi Hachem et Yosef. Et Hachem était avec Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef était avec Hachem. Lorsque nous, on est attaché à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu est attaché avec nous, peu n'importe où on se trouve. Vahi, Yosef, Bevet Adonav, peu n'importe où on se trouve. Là on se trouve, même si on se trouve dans un endroit où tout le monde nous déteste. Même là-bas, aucun ne nous touchera. Même là-bas. Vahi, Yosef, Ish Matzliah. La réussite de Yosef, parce qu'Hachem était avec lui, parce que lui était avec Hachem. N'oubliez pas, c'est ce que je suis en train de vous dire. La réussite, elle est, lorsque nous on est avec Hachem, alors Hachem va être nous, il va être avec nous. Et là où on est, spirituellement et matériellement, on sera protégé. En même temps, on va essayer de comprendre quelque chose. Pourquoi la fête de Hanouka, on ne la fête pas le miracle de la guerre? Voilà la question que je vous pose. On va essayer de la répondre. Tous ensemble, je vais essayer de vous demander à me donner une réponse. Les Grecs, ils étaient des centaines de milliers, ils ont été chassés d'Israël, et voilà, il y a eu un miracle extraordinaire. Ils viennent tout de suite, les Hashmonaïm, et ils commencent à nettoyer un peu le Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils veulent allumer la Hanouka, ils ne trouvent pas l'huile. Parce que toute l'huile qu'il y avait là-bas était ouverte, était
cassé, parce que les Grecs, ils ont tout cassé pendant les années qu'ils ont occupé Israël. Ils ont pris toute l'huile qui était là-bas, toute l'huile qui avait là, dans le Beth-Amigdash, ils l'ont souillé, et voilà. Maintenant, il n'y a pas d'huile. Ils avaient de la peine. Et voilà, soudainement, ils ont trouvé une petite fiole d'huile. Ah, ils étaient contents. Mais c'est une toute petite fiole pour allumer pour un jour. Et ils ont dit, bon, c'est pas grave, pour un jour, c'est pas grave. Voilà. Le plus important, c'est on va l'allumer. Voilà, on va l'allumer. Et il l'a allumé, il y a eu un miracle, et elle est restée allumée 8 jours. Donc ici, déjà, il y a eu un nes, un miracle. Le premier miracle, que parmi toute l'huile qu'il y avait, ils ont trouvé une petite fiole pour un jour. C'est un miracle déjà. Parce que les Grecs, ils auraient pu tout. Ils auraient pu trouver cette fiole aussi, ils l'auraient aussi rendu tamée, impure, et puis ils n'auraient pas d'huile. Donc ça, c'est incroyable. Alors, à partir de là, ils ont commencé à fêter cette fête. On l'appelle Hanouka, le miracle de l'huile. Je vous pose une question. Pourquoi on fête pas la fête de la guerre? Pardon? On va fêter la victoire. Vous savez que lorsque Napoléon il a gagné ses guerres, la première chose qu'il a fait, l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, beaucoup des fêtes qu'il y a ici en France, et en mémoire de toutes les guerres. Les guerres et les défaites. D'accord? Moi, je pense que le grand miracle, c'est 5 soldats ou 6 soldats contre des centaines de milliers. On les appelle Maccabées. Pourquoi on les appelle Maccabées? Maccabées, c'est les initiales Mi Kamoucha Ba'elim Hashem. Ces 5 fils de Matatia, ils sont partis faire la guerre contre les Grecs. Ils ont fabriqué des drapeaux. Des grands drapeaux, et sur les drapeaux, ils ont noté Mi Kamoucha Ba'elim Hashem, qui comme toi, Hashem. Et c'est comme ça qu'ils sont partis pour faire la guerre. Et un miracle. C'était pas une bombe atomique, c'était 5 personnes contre des centaines de milliers de personnes, et qu'ils ont gagné la guerre. C'est pas possible, c'est pas logique. C'est pas logique que quelques personnes qui gagnent, je pense, personnellement, je pense qu'on devait fêter la fête de la victoire de la guerre. Quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me donner une réponse? Comme si elle reçoit une bonne bracha. Celui qui gagne, je lui donnerai un scooter. Allez, j'écoute. J'ai dit, celui qui gagne, je lui donne un scooter. J'annule. D'accord? Celui qui gagne, il reçoit une bracha. Allez. J'écoute. Comment je t'appelle? Hein? Vous êtes du Maroc? Dommage. Alors, vous êtes de Tunisie. Vous avez donné... J'écoute. Alors, qui peut me donner encore une réponse? Oui, j'écoute. Donc, le monsieur Kiddushim, il dit que pourquoi on ne fête pas la victoire des Hashmonaïm contre les Grecs? Parce que c'est écrit dans Michelet, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Lorsque ton ennemi, si tu vois ton ennemi qui tombe, ne te réjouis pas. Voilà, c'est pour ça, c'est la raison pourquoi Hakamim, ils n'ont pas décrété une fête à la victoire entre les Grecs, ils ont plutôt fait une fête pour le Nes qui est arrivé. Très bien, j'écoute. Alors et vous? Je veux que chacun écoute, comme ça on écoute chacun sa réponse. J'écoute. J'écoute. Quoi d'autre? Ouais, c'est bon.
Ah oh. Ah. Ah, j'écoute. On dit que le vrai miracle, je crois, c'est qu'ils ont détruit toute la Touma qui était dans le Beth Amikdash. Et en trouvant cette huile, ça nous a permis de dire qu'on veut faire une mitzvah, le bon Dieu il est toujours là avec nous pour faire la mitzvah jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on fait le miracle sur la fiole d'huile. Peut-être j'écoute, que... j'écoute. Quoi d'autre? J'écoute, oui. Très bien. Très bien, je vais essayer un peu. On va essayer un peu de récapituler tout ce qui a été dit en haut et en bas. J'ai compris ce que vous voulez dire, c'est Hazak ou c'est Hazak. Je pense, écoutez bien ce que je vais vous dire. Gagner une guerre, écoutez bien ce que je vais vous dire. Gagner une guerre, c'est pas. Regardez David Ameller. Il a fait la guerre contre Goliath. Goliath faisait 10 fois David Ameller. Il était un géant. On n'a pas vu que David Ameller il a fêté cette victoire. Lui couper la tête. Couper la tête à Goliath, c'est on peut pas imaginer. On peut pas imaginer la grandeur de cette victoire-là. On n'a pas vu qu'elle a fait une fête. Mais vous savez une chose. Comment on fait une fête? On fait une fête, lorsqu'on fait une fête, automatiquement, lorsqu'on fait la fête, les gens ils se saoulent, manger. Une fois qu'on mange, écoutez bien ce que je vais vous dire. Une fois qu'on mange et on se saoule, ben on parle plus du miracle. On parle que du repas. On parle que du repas. Le miracle qui s'est passé à Hanouka, c'est un miracle tout le temps on va. Il y a une leçon à chaque génération, puisque ce miracle-là, on va le répéter chaque année. Depuis 2000 ans, jusqu'à maintenant, on parle de ce miracle. J'étais jeune, je me rappelle, j'étais jeune, depuis l'âge de 5 ans, je me rappelle mon père, lorsqu'il allumait la Hanouka, j'étais en face de lui, il nous regardait. Tous mes enfants, j'ai éduqué mes enfants, chaque année je leur achète une Hanouka. Tout le temps, mes enfants, tout le temps, chaque année je leur achète une Hanouka et je les ai éduqués à allumer eux-mêmes la Hanouka. C'est pas avec le père qui allume la Hanouka, je les ai éduqués à ce qu'eux-mêmes, ils allument leur Hanouka pour qu'eux aussi se posent la question, pourquoi papa j'allume la Hanouka? C'est le miracle. La Hanouka, c'est spirituel. C'est le miracle de l'année Shama. C'est le miracle. Shemen, c'est l'huile. Le mot Shemen, c'est Neshama. C'est le miracle de l'année Shama. Que l'année Shama n'a pas été assimilée. Une guerre. Tu fais la guerre. Tu gagnes la guerre. D'accord. Ils vont faire une fête de victoire. Nous. Si maintenant nous, on fête la fête de la victoire qu'ils ont fait à Hashmonaïm. On va même se poser la question. Vraiment, ça n'a pas. On va pas sentir vraiment le miracle. On a gagné une guerre. Bon, ils étaient forts. On peut dire, ils étaient forts. Mais là, lorsque tu dis une petite fiole d'huile qu'elle est restée allumée 8 jours, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Ça c'est le miracle. Quelqu'un qui a envie de rigoler, il rigole pas. Ça, c'est un miracle. Quelqu'un qui a envie de parler la Shonara, il ne parle pas. Ça, c'est un miracle. Quelqu'un qui a envie de faire une chose mauvaise, il ne la fait pas. Ça, c'est un miracle. Mais gagner une guerre, c'est pas un miracle.
c'était un miracle. Mais pour nous, dans les années, ils vont venir, on va dire, bah, peut-être ils se défendent, peut-être ils avaient une tactique, peut-être ils les ont asphyxés, peut-être ils les ont gazés avec du gaz. On peut dire plein de choses. Mais lorsqu'on parle de la Hanouka, on dit, elle est restée allumée 8 jours. Ça, c'est un miracle. Et c'est la raison pourquoi on dit un Nerot Halalo Kodeshem. Ces bougies-là, ils sont saintes. D'ailleurs, il dit le Bah, il y a un grand tzaddik qui dit la raison pourquoi à Hanouka, on ne fait pas la fête pour manger. Pourquoi on ne fait pas une Seruda? On fait avec les Hodot Halal. On dit Marouzouyej. On chante. On fait le Halal. On fait le Halal. Mais on ne fait pas de Seruda. On ne mange pas. Il dit le Bah. Il dit une phrase extraordinaire. Il dit c'est que la raison pourquoi on ne fait pas de fête. On ne fait pas de fête à notre époque pour la Hanouka. Il dit comme ça, il dit parce que lorsqu'on se relâche de la Avodat Hashem, lorsqu'on se relâche du service de la Kadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus dangereuse. Se relâcher. On doit toujours, on doit progresser. Il ne faut pas se relâcher. Vous savez très bien que lorsqu'il y a une pente et lorsqu'on monte la pente, et dès qu'on commence à... Il faut toujours accélérer pour monter. Mais dès qu'on commence à ne pas accélérer, ben la voiture, elle commence à reculer. C'est trop tard. Et recule. Dans la vie, il faut toujours progresser. Tout à l'heure, tu as dit Bipol Evecha Tisma. C'est ça? Alors, il faut savoir une chose. Les Grecs, ce n'étaient pas nos ennemis. Le contraire. On devait se réjouir parce que la Gemara a dit Evecha, ton ennemi, c'est pas Shlomo qui parle. Il parle pas de ceux qui ont voulu te rendre. Bien sûr, ton ennemi, par exemple, si tu gagnes un ennemi à toi, il ne faut pas se réjouir. C'est pas bien. Mais celui qu'il veut t'assimiler, celui qui veut ta perte, celui qui veut que tu vas gagner une âme, celui qui veut que tu tombes, celui qui veut t'enlever dans ton judaïsme, et que toi, tu l'as combattu pour ne pas tomber de ton judaïsme, il faut se réjouir chaque jour. Les Grecs, c'est la raison pourquoi on fait une simha, les hodot ou l'halel, on fait une simha, il y a une joie à Hanouka. On dit à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu, qu'on a préservé la neshama. C'est-à-dire finalement, écoutez, c'est ça ce que je vais vous dire, que finalement le miracle de Hanouka, au moment qu'on allume la Hanouka, c'est le miracle de l'huile et c'est le miracle aussi de la Neshama. Et aussi c'est le miracle qu'on a gagné aussi la guerre. C'est un miracle qui englobe tout. Pourquoi? Parce que si on n'aurait pas gagné la guerre, eh ben, on n'aurait pas construit le Beit HaMikdash. Donc c'est automatique. Mais le vrai miracle, c'était la Neshama, qu'on n'a pas été assimilé. C'est le vrai miracle de Hanouka. Mais permettez-moi de vous dire que ton ennemi, s'il tombe, tu n'as pas le droit de se réjouir. Mais pas contre un Grec. Ceux-là qu'ils ont voulu nous assimiler, Hashem Shalom. Ceux-là, non. Vous comprenez maintenant? Notre réussite à nous, on est Eretz Israël. Notre réussite à nous, c'est finalement le jour que les Juifs, ils ont voulu maintenant s'adapter, ils ont voulu maintenant retourner vers Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu est retourné vers. Lorsqu'on s'éloigne de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu s'éloigne de nous. Mais lorsqu'on approche Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu s'approche de nous. Voilà, c'est à nous de choisir.
Et c'est pour ça la pauvre cette fille-là, Mskina, la pauvre Sarah, c'est là qu'elle est morte, la pauvre. C'est pour nous réveiller. C'est pour réveiller un peu notre... Beaucoup de fois, l'Aïstach et Mishmor, il y a toujours quelqu'un bien, le meilleur. Je ne sais pas, peut-être il y a une Nishama spéciale. Toujours quelqu'un, un meilleur qui quitte ce monde-là pour réveiller tout le monde. Pour réveiller tout le monde, ben, c'est ça. C'est, vous savez, ce que j'entends, c'est tellement... C'est tellement dur ce qu'on entend. Et malheureusement, c'est tout cela pour faire tes cheveux. Je voulais, mes amis, vous expliquer, vous raconter une petite histoire personnelle que j'ai eue. Il y a quelques années, je suis parti à... Je n'ai pas tout en Israël. Mais il n'y avait pas de vol direct. Parce que tous les vols étaient complets. Et moi, je devais partir en Israël. C'était la période de Hanouka. Donc, j'étais obligé de faire... Lyon, Zurich, Zurich, Athènes, c'est là en Grèce, Athènes, Tel Aviv. J'ai pas le choix. Mais j'étais très, 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 très impressionné lorsque l'avion est atterri à Athènes, en Grèce. Je commençais à imaginer, je commençais à réfléchir, je commençais à dire, tu te rends compte, David, où tu es? Tu es dans le pays des Grecs. Ces Grecs qui étaient en Israël, que les Grecs d'avant, hein, je ne parle pas des Grecs d'aujourd'hui, les Grecs d'avant, Antiochos, qu'ils ont occupé Israël, ils ont obligé les Juifs à ne pas respecter Shabbat, à ne pas faire la Brit Mila, à ne pas faire Rosh Chodesh, à ne pas manger le kasher, que les femmes ne vont pas au mikvé, et chaque femme qui se marie, elle devait être violée par un Grec. Alors, je crois que les Juifs, ils ne se mariaient pas. Ils auraient été se mariés. Parce que chaque fille qui doit se marier, il faut qu'elle soit violée par un soldat grec. Vous imaginez ça? Le soldat grec, c'était la loi pour faire souffrir les Juifs. Pour que les Juifs, ils abandonnent la religion. C'était de force abandonner la religion juive. Et là, maintenant, je me suis dit, David, tu vois, tu es ici en Grèce, c'est de la folie. Et à un moment donné, je vois la montre, c'était l'heure de Mincha. Ben, je suis parti dans un petit coin, et j'ai commencé à faire la prière de Mincha. Je fais la prière de Mincha. Une fois que j'ai terminé la Hamida, je vois un groupe de gens qui étaient là autour de moi, en train de m'observer. Ben, j'ai fait un petit sourire, j'ai dit... Je fais la prière. J'ai vu qu'ils n'ont pas compris, j'ai parlé en anglais. Ils ont compris. Ah, ils ont dit, good, good, c'est bien. Et je me suis dit, David, tu te rends compte? Cette prière que tu as fait là, maintenant, tu l'aurais fait il y a 2000 ans, on t'aurait arraché la tête. Aujourd'hui, voilà. Baruch Hashem. Hashem, Shomer Israël. Bon. Mon histoire est terminée là. Je monte dans l'avion. C'était la compagnie grecque Olympic Airlines, et je monte dans l'avion, et l'avion il décolle, et je vois à travers la vitrine, je vois la Athènes, et je vois la mer, et je pense de là, et les bateaux ils sont sortis pour aller occuper Israël, et je suis passé à l'époque d'avant, je pense, et j'ai Hachem, Baruch Hachem, je suis là, Baruch Hachem. Voilà la preuve que Hachem il existe. Hachem il existe parce qu'on existe. C'est la preuve que Hachem il existe. Notre existence, elle prouve que Hachem il existe. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Ce qu'on souffre, ce qu'on a souffert jusqu'à toutes ces générations. Jusqu'à maintenant. Et qui nous protège, qui nous sauve? C'est Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah. Vayi, Hachem et Yosef. Et Hachem, elle a protégé Yosef. Pourquoi Yosef a été protégé? Pourquoi? Parce que Youssef était avec Hachem. Et encore, c'est la raison pourquoi Youssef Matzlia, notre réussite, là où on est, parce qu'Hachem est avec nous. Et pourquoi il est avec nous? Parce que nous aussi, on est avec lui. À un moment donné, voilà, l'hôtesse de l'air, elle vient chez moi, elle me dit, vous avez réservé un repas cachère? Je dis oui. Vous êtes Monsieur Pinto? Je dis oui. On a un repas caché pour vous. Elle va, elle m'apporte un plateau. Un plateau.
voilà, ici. Je regarde le plateau, et encore dans mes souvenirs, encore, je rentre dans l'histoire, et je rigole. Elle me dit, pourquoi vous rigolez? Je dis, c'est dur pour moi de croire que vous me donnez un repas cachère. C'est très dur pour moi de croire. C'est dur. Et je ne conteste pas le repas cachère. Mais c'est dur pour moi de croire que vous m'apportez un repas cachère. Elle n'a pas bien compris. Elle va et elle apporte un autre... Son supérieur. Et il vient chez moi et me dit, il y a un problème? Je dis, non. Il n'y a pas de problème. Vous êtes des Grecs, hein? On est dans un avion grec. Ouais. Vous êtes grec. Pourquoi poser cette question? Je dis, parce que c'est dur pour moi de croire que vous me servez un repas cachère. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que vos grands-parents, il y a 2000 ans, ils nous ont interdit de manger le repas, les manger cachères. Et lorsqu'on mangeait le manger cachère, on nous tuait, on nous rachait la tête. Et maintenant, vous, les petits-enfants, vous m'apportez un repas cachère. Le juif, il n'a jamais changé. Ce qu'on était il y a 2000 ans, on est toujours aujourd'hui. Mais ce qui a changé, c'est que vos aïeuls, il y a 2000 ans, ils ont tué ceux qui mangeaient cachère, et leurs enfants, leurs petits-enfants aujourd'hui, c'est eux qui m'apportent le repas cachère. Et bien sûr, ils n'ont rien compris. Ou peut-être ils ont compris, ils ont fait semblant qu'ils n'ont pas compris. Mais moi, j'ai bien compris. Vayi Hashem et Yosef. Lorsque nous, on suit Torah et Mitzvot, vous êtes les jeunes, vous êtes aujourd'hui vous êtes aujourd'hui les drapeaux. Hein. Aujourd'hui, vous avez le drapeau entre vos mains. Ce drapeau qu'ils appellent le drapeau de votre jeunesse, le drapeau du judaïsme, vous l'avez entre votre main aujourd'hui. Il faut bien, bien, bien le tenir et le transmettre à qui? À vos enfants. Vous savez, lorsqu'il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe dans une guerre? Lorsqu'il y a une guerre, il y a toujours, à l'époque, il y a toujours des soldats qui avaient des drapeaux, ils allaient entre les soldats avec un drapeau. Pourquoi? Pour encourager les soldats. Hey, on fait la guerre pour notre pays. Hey. Et dès que le drapeau il tombe, dès que celui qui tenait le drapeau il est tué, il y a tout de suite un autre soldat qui va encore reprendre le drapeau dans ses mains. Eh bien, le judaïsme, c'est le drapeau. On ne lâche pas ce drapeau-là. On n'a pas le droit de le lâcher. On doit bien le tenir et le transmettre à nos enfants. Vous. Comment je t'appelle? David comment? Sirossi. Ton père est juif. Et ton grand-père est juif. Ton arrière-grand-père est juif. Donc, si on commence à calculer vos grands-parents, on va arriver jusqu'à Abraham Abino. Vous rendez compte? Cette transmission de drapeau de Abraham Abino jusqu'à vous. Presque 4 000 ans. 4 000 ans. Les tempères de peau, les aïeuls, ils sont partis de l'exil jusqu'à la Tunisie. Et la Tunisie en France. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ce drapeau du judaïsme que tu as dans les mains, tu vas le transmettre à ton fils. Il faut bien l'éduquer pour que ton fils, il le transmette à son fils. Jusqu'à Mashiach. Et c'est comme ça. C'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la fête de quoi? De la transmission. On a transmis la Torah. Transmettre la Torah. La Neshama, l'âme juive, qu'elle existe encore. C'est ça la fête. Notre présence ici aujourd'hui, c'est ça la fête. Notre présence ici aujourd'hui, c'est ça la fête. La fête de Hanouka, c'est qu'on est vivant. On est juif, on est encore dans la terre. On n'est pas éteint encore. On n'est pas éteint. Et c'est quoi? C'est la raison pourquoi nos sages ils disent que la fête de Hanouka, c'est la fête que la lumière a gagné les ténèbres. La lumière a gagné les ténèbres. C'est bizarre, hein? La lumière qui gagne les ténèbres. On n'a jamais entendu ça. La lumière qui gagne les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est quoi la lumière? Eh bien, lorsqu'il n'y a pas de lumière, on éteint la lumière, c'est les ténèbres. C'est l'obscurité. On allume la lumière, ben voilà. Je termine avec cette phrase-là. J'éteins la lumière.
si je détecte ce qui va se passer, mais il va se passer que je ne vais plus vous voir. Vous n'allez pas me voir, moi je ne vais pas vous voir. Donc, on ne va pas se voir. Donc, n'importe quel geste que vous allez faire, personne, et n'importe quel geste que je vais faire, personne ne va voir ce qui va se passer ici. Et dès qu'on allume la lumière, eh bien, chaque chose, on va voir tout le monde. Ça veut dire que la Torah, c'est la lumière. À travers la Torah, on reconnaît, on voit notre vie. Sans Torah, c'est on est dans les ténèbres. Sans la Torah, on est dans les ténèbres. Tu gagnes le Sahara. Tu es content ou pas? Bien sûr. Mais pourtant, c'est ton ennemi, le Sahara. Et pourtant, le Sahara, c'est ton plus grand ennemi, c'est le Sahara. Ton plus grand ennemi, c'est le Sahara. Et pourtant, lorsque le Sahara, il te pousse à faire une faute, et tu résistes à la faute, tu ne la fais pas. Tu es content ou pas? Comme ce monsieur-là, avec cette femme-là à la banque, la veille de Kippour. Il était content ou pas? Bien sûr qu'il était content. Donc on est content. Donc lorsqu'on gagne, lorsqu'on gagne un ennemi qui veut Hashem Shalom, qui veut nous pousser pour prendre un mauvais chemin, le contraire, on doit être content. Bah, Hashem, je ne l'ai pas écouté. Bah, Hashem, je ne l'ai pas écouté. Bah, Hashem, je ne l'ai pas écouté. C'est-à-dire qu'avec l'obscurité, on ne voit rien du tout. La Torah, elle nous éclaire, on voit, elle nous ouvre la tête, on comprend les choses. Et je termine. Vayi Yosef, Vayi Hashem et Yosef. Yosef, alav shalom, il était en Égypte, tout seul. Il n'avait pas de famille, pas de téléphone, pas de contact avec ses parents. Tout seul. Ni frère, ni personne. Personne avec qui parlait, pas de cache-route, rien du tout, le pauvre. Il souffrait. A priori, vous savez que Youssef, il aurait pu dire, « Hey Dieu, où tu es? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça ?» Il aurait pu, je ne sais pas moi, il aurait pu même faire une dépression, une déprime, déprimé. Et si toi, Hachem, tu existes, pourquoi tu me fais ça? Oui, le zikhout d'Abraham, oui, le mérite d'Abraham, oui, le mérite d'Isaac, oui, le mérite de mon père, et mon père, le pauvre, qu'il se devient. Et Youssef, il aurait pu avoir 1000 questions, Youssef. Et pourtant, Youssef, il ne s'est pas posé de questions. Youssef, il a dit, ben, ce que Hachem, il a voulu faire, ben, j'accepte ce que Hachem, il veut faire. Ce que Hachem, il veut faire de moi, je l'accepte. Et c'est ça, Rabotaï, le piège d'obscurité, lorsqu'on se pose des questions. Le piège d'obscurité, lorsqu'on se pose des questions. La lumière est, lorsqu'on ne se pose pas des questions, on accepte ce que Hachem a voulu faire. J'accepte ce que Hachem a fait. Sarah, la pauvre, c'est là qu'elle est morte. Ben, c'est la volonté de Hakadosh Baruch Hu. C'est sa volonté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Adonai Nathan, Adonai Laka. Hachem l'a donné, Hachem l'a pris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va la ramener? On se pose des questions, on va la ramener? Non. Le contraire. On va plutôt se faire du mal que du bien. Par contre, je peux vous dire une chose. Hein. Beaucoup de ses copines, ils ont fait des chevaux. Beaucoup de ses copines. Beaucoup. Et aujourd'hui, dans notre monde, il doit dire, eh ben, si j'ai quitté ce monde, eh ben, c'est grave ce que je dis. Et moi, je ne le dis pas, mais je ne dirais pas ça pour quelqu'un qui est vivant. Mais je dis ça maintenant qu'elle n'est pas là. Maintenant, je ne peux pas la ramener. Je ne peux plus la ramener, c'est trop tard, elle n'est pas là. Mais elle, là-haut, 100%, elle surveille cette copine, elle surveille sa famille. Elle se dit, ah ben ça vaut la peine. Ce qui m'est arrivé, rien que de voir ces petites copines que j'ai qui font des chevaux. Bien sûr, on souhaite ça à personne, que Dieu fasse, qu'on ne voit plus ça, si Dieu veut. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, il ne faut pas se poser de questions. Lorsqu'on se pose des questions, c'est là qu'on tombe dans les ténèbres. Et c'est la raison pourquoi la fête de Hanouka, c'est la fête de la lumière. La fête de la lumière. Et Youssef HaTzadik Alav HaShalom, c'est lui notre exemple. Youssef que j'aime, que dans tous les plus grands malheurs où il se trouvait, Youssef HaTzadik, Youssef était gay, Youssef était content, Youssef n'était pas malheureux. Et Youssef, chaque fois, il disait, Baruch Hashem, Vayi Hashem et Youssef. Et Hashem était toujours avec Youssef. Pourquoi? Parce qu'il avait la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Il ne s'est pas posé de questions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se pose des questions, il n'y a pas de réponse. Ne croyez pas que vous avez trouvé de réponse.
Ne croyez pas, on se pose des questions, vous allez trouver des réponses. Mettez ça dans la tête. Ne croyez pas que vous allez trouver des réponses. Le contraire, si vous vous posez des questions, vous allez encore d'autres questions, et les questions vont vous rendre fou. Au contraire, il faut être simple. Un juif, vous savez qu'il y avait une fois en Tunisie, il y avait un grand tzaddik en Tunisie, il s'appelle Rabbi Haïm Taïb Lomet Alav Shalom. Il y a une fille de sa famille qui est venue me voir et me dit, Rabbi David, moi je suis pas une fille qui rêve. Rabbi Haïm Taïb Lomet, c'était mon grand-père. Et je suis parti le pèleriner et j'ai posé ma photo, sa photo à elle. Elle a voulu faire, elle a posé comme ça sa photo sur la tombe et elle a dit j'ai pris une photo pour la prendre avec moi en souvenir. Et lorsqu'elle a développé les photos en Tunisie, elle voit que sa photo à elle, elle était à l'envers. Elle a eu peur. Mais c'est pas possible. Ma photo n'était pas à l'envers. Alors, elle voit les autres photos et voit que les autres photos, elles étaient normales. Il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Toutes les photos qui sont normales, une photo parmi les photos, à elle, sur la tombe de son grand-père, il était à l'envers. Elle a eu peur. Je lui ai répété, vous voyez les photos, dites-moi, j'ai peur. Et je vois les photos. C'est impressionnant. Je dis, madame, vous avez fait. Vous n'avez pas tourné la photo? Il dit, Rabbi David, non. J'ai pas tourné la photo. Je dis, tu sais, c'est ton grand-père, tu me dis? Il me dit, oui, c'est mon grand-père. Il dit, je pense que ton grand-père, il veut que tu fasses tes cheveux. Il veut que tu retournes quand même. C'est Rabbi Haïm Taïb Lomet. Tu lui fais honte de notre monde. Notre monde, il est à Gan Eden. Il est avec les tzadikim. Et toi, sa petite fille, tu te comportes pas bien. Petit, il veut que tu fasses tes cheveux. C'est pour ça, une de tes photos à toi, tu as trouvé. Je peux pas t'expliquer, mais petit, je peux pas t'expliquer. Pour moi, c'est. Je sais pas. Mais peut-être. Vous savez, aujourd'hui, c'est une tzadikim. Il a fait une teshuva extraordinaire. Extraordinaire aujourd'hui. Il est marié, il a des enfants. Il a fait une grande teshuva. Donc elle a, grâce à Dieu, elle est sortie de l'obscurité, de la lumière. Et c'est ça la beauté. Vahi, Hachem et Yosef. Yosef, il a réussi que Hachem soit avec lui, uniquement parce que Yosef, il était aussi, son copain, c'était pas l'argent. Son copain, c'était Akadosh Baruch. Donc, on voit que la réussite de la personne, elle dépend de combien il est connecté à Kadosh Baruch Hu. Ce que le pasuk il dit, Vayi Hashem et Yosef, Vayi Ishmatzliah, Vayi Bibet Adonav. C'est un pasuk extraordinaire. Vayi Hashem et Yosef, ça veut dire que Hashem était avec Yosef. On a expliqué pourquoi Hashem était avec Yosef. C'est pas pour ses beaux yeux. C'est pas parce que Yosef était quelque chose d'extraordinaire, non. Ce qui était d'extraordinaire chez Yosef, parce qu'il était aussi avec Hachem. Et c'est la raison pourquoi il était Matzlia. Il a réussi. Et non seulement qu'il a réussi, mais il a réussi matériellement et spirituellement, Bébé Tadonav. Et vous savez que Bébé Tadonav, c'est la maison de son maître. Dans la maison de son maître, il y avait là-bas beaucoup de femmes. Il y avait même la femme de son maître qu'elle voulait de lui. Et lui, il a combattu. Il a combattu les envies. Et à la fin, on aurait pu croire qu'il aurait pu craquer. Il n'a pas craqué. Pourquoi? Parce que Vayé Hachem était Yosef. Parce que Hachem était avec Yosef. Alors lorsqu'un homme, il est attaché à Hachem, là où il est protégé. Même avec, lorsqu'il se trouve avec ses ennemis. Même lorsqu'il est là où il est, à Kadosh Baruch Hu le protège. Vayé Bébet Adonav. Le mot Vayé, nous s'agit que lorsque la Torah dit Vayé, et nous, elle a chun tsar. Vayé, ça veut dire. Vayhi, ça représente la misère, la souffrance. Alors, c'est-à-dire que Yosef HaTzedek, le pauvre, il souffrait beaucoup chez son maître. Beaucoup de fois, on peut croire que la souffrance, l'homme, il risque d'arriver au bout de ses souffrances, après il va craquer. Pas Yosef.
avec toutes les souffrances qu'il a eues, malgré tout, il a réussi à la fin. Pourquoi? Parce que Vayhi Hashem et Yosef. Parce que Akadosh Baruch Hu était avec Yosef. Parce que Yosef a accepté ses souffrances. Encore Vayhi. Avec toutes les souffrances que dont Yosef il se trouvait, Yosef il a compris que toutes ces souffrances-là, ça venait de Akadosh Baruch Hu. Il les accepte. C'est beaucoup des fois, malheureusement, l'homme, lorsqu'il a des souffrances qui arrivent sur lui, il craque, il dit, pourquoi le bon Dieu me fait tout cela? J'ai vu dans un livre qui dit que lorsqu'un homme, il n'accepte pas les souffrances, c'est qu'il a le manque de Emouna à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Mais un homme qui accepte toutes les souffrances qui viennent sur lui, il les accepte, alors ça prouve qu'il a la Emouna, la foi à Kadosh Baruch Hu. Vahi Hashem et Yosef, avec toutes les souffrances que Yosef il a eues, il savait que ça vient de Hakadosh Baruch Hu. Alors Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec lui. Il était avec lui. Alors, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Hachem il a fait que Yosef ait réussi. Même contre le Yetzara, il a réussi. Même lorsque cette femme, lorsqu'elle est venue pour le séduire, pour aller avec elle, il a résisté ces tentations-là. Et là aussi, Hakadosh Baruch Hu, il l'a aidé. Lorsqu'un homme, il cherche à être protégé de Hakadosh, être protégé, Hakadosh Baruch Hu, il le protège. Lorsqu'un homme, il ne cherche pas la faute, il fait tout pour échapper à la faute, il fait tout pour ne pas aller vers la faute, alors Hakadosh Baruch Hu, il l'aide. Mais lorsque la personne, elle ne fait rien pour se préserver de la faute, alors la faute, elle va courir derrière lui. Il dit, David HaMelech, Vani, Kirvat Elohim Lito. David HaMelech, il dit, moi, tout ce que je cherche, que je suis à côté de Dieu. Même Elohim, c'est quoi Elohim? C'est din, rigueur. Même si j'en souffre, même si avec toute la émoula que j'ai en Dieu, et malgré tout je souffre, c'est pas grave. Je préfère être. Va'anikébat Elohim lito. Ça veut dire qu'avec toutes les souffrances que je vais avoir, ça ne peut que m'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils se détachent, ils sont loin d'Hachem. David HaMelech dit le contraire. Va'ani kevat Elohim lito. Ça veut dire que moi, avec toutes les souffrances que je peux avoir, Elohim c'est la rigueur. Même si le bon Dieu il envoie souvent des coups et des coups et des coups, je les accepte. Pourquoi? Parce que je sais que si ça vient de lui, ça ne peut que m'approcher vers lui. Je les accepte. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire. Et on voit, mes amis, que la fin de Yosef était super. Donc on va dans la paracha de la semaine, Miketz est devenu un roi. Un roi. Il a régné sur le monde entier. Même Paro, il était à ses pieds. Même Paro, le grand empereur, le grand roi de l'époque, qui était vraiment un des plus grands puissants, le pharaon, il était à ses pieds. Pourquoi? Parce que c'est fait Tzadik Alav HaShalom. C'est pas comme certaines personnes. Lorsque tout va bien pour eux, ils croient en Dieu. Et au moment qu'ils ont des problèmes, alors ils mettent Dieu de côté. Non. Yosef HaTzadik Alav HaShalom avec tout Vayi Hashem et Yosef. Vayi Ish Matzliah. Vayi Bebet Adonav. Ça veut dire que Yosef HaTzadik, toute la réussite à lui, c'est parce qu'il était connecté à Kadosh Baruch Hu. Même lorsqu'il souffrait, même lorsqu'il avait des problèmes, jamais il a contesté sa émouna en Dieu. Jamais, jamais. Même lorsqu'il était dans la maison de son maître, et qu'il le faisait souffrir, cette femme-là, qu'elle le faisait souffrir, lui, il a accepté, il s'est renforcé dans sa émouna à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas craqué. Alors, Vayi Ish Matzliah, il a réussi. Kadosh Baruch Hu, il a fait réussir, et même lorsque il a été accusé d'avoir touché à la patronne de la maison, et qu'elle a été jetée dans le puits, dans une prison là-bas en Égypte, malgré tout. Et là, il n'a pas dit, mais Hachem, pourquoi? J'ai résisté les tentations, j'ai pas été avec cette femme, et c'est comme ça que tu me récompenses. Il a accepté. Et c'était quoi la fin de Yosef? Il est devenu un roi. Je termine, on voit maintenant, c'est ça les Shvatim. Les Shvatim, Shiftiyah et d'autres l'Israël. Eux-mêmes, avec tout le mal qu'ils ont fait à leurs frères, vers la fin, ils ont compris qu'il y a beaucoup à apprendre de leur frère Youssef. Il y a beaucoup, avec tout le mal qu'ils lui ont fait, ils ont compris que,
que finalement, regarde, un homme qui a l'émouna en Dieu, avec tout le mal qu'il peut subir, s'il a l'émouna en Kadosh Baruch Hu, eh bien, il va réussir. Youssef, seul en Égypte, avec toutes les tentations, tout beau, beau garçon, jeune, il n'avait que 17 ans, et malgré tout, il a résisté, il a réussi, et quand je était avec lui, il a protégé, ben, Nikébat Elohim Lito. Si je vais réussir, il faut que je cherche toujours un appui, un compagnon. Et c'est qui? C'est Hachem. Avec tous les malheurs que je peux avoir, c'est pas grave. C'est pas grave. Au lieu que, Hasu Shalom, je craque, je résiste. Et tu vas voir la fin. C'est le bonheur. C'est la lumière qui va venir. Et c'est ça la guerre des Grecs avec les Juifs. La lumière de l'obscurité contre la lumière. Et à la fin, c'est la lumière qu'elle a gagnée. Or, c'est la lumière qu'elle a gagnée. Et c'est la raison pourquoi on apprend que les Hashmonaïm, toute leur réussite physique et spirituelle était liée et dépendait de leur émouna à Kadosh Baruch Hu. Comme Youssef, qu'il avait confiance en Dieu, eux aussi, ils avaient confiance en Kadosh Baruch Hu. Ils sont sortis, ils ont fait la guerre contre les Grecs. Ils les ont gagnés. La première chose qu'ils ont fait, c'est pas qu'ils ont fait déclarer victoire la guerre qu'ils ont gagnée. Non. Tout de suite, ils sont entrés au temple, ils ont commencé à nettoyer, ils ont allumé la Hanouka. Ils ont dit, tout notre but de cette guerre, c'est pour allumer cette veilleuse, cette Hanouka, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de créer victoire pour la guerre qu'on a gagnée. Non. La guerre qu'on a gagnée, c'est qu'on n'a pas été assimilé, qu'on est resté juif. C'est ça la guerre qu'on a gagnée. On voit que la victoire des Hashmonaïm, c'était pas une victoire qu'ils ont gagné la guerre. Ils n'ont pas décrété une fête pour la victoire qu'ils ont gagné la guerre. Ils ont décrété une victoire qu'ils ont gagné leur judaïsme. C'est ça le plus important. Parce qu'une guerre, on l'oublie. Une victoire d'une guerre, on l'oublie. Une victoire, elle amène à une autre victoire et on oublie les victoires. On oublie, ça s'oublie les victoires. Les fêtes des victoires, ça s'oublie. Mais une fête d'une victoire spirituelle, elle ne s'oublie jamais. Elle ne s'oublie jamais. Parce qu'une victoire spirituelle, elle est liée avec Hachem. Si les Hashmonaïm, ils ont réussi, ils ont gagné la guerre, c'est parce qu'ils dépendaient de Hakadosh Baruch Hu, parce qu'ils savaient que leur victoire est venue de Hachem. Parce qu'elle est venue de Hachem, ils vont faire quoi? Une victoire, ils vont faire une fête de quoi? Quelle fête ils vont faire? Et cette fête-là, ils risquent d'oublier qu'il y avait Hachem au milieu. On n'a jamais vu quelqu'un qui a fait des fêtes pour les victoires des guerres qu'il a fait. Non, dans le judaïsme, je parle pour le judaïsme. On n'a jamais vu toutes les guerres qu'on a fait à l'époque. On n'a pas vu qu'on a fait on a décrété des fêtes. Toutes les fêtes qu'on a décrétées, c'est pour des fêtes spirituelles. Donc la fête de Hanouka, c'est une fête spirituelle. C'est pas une fête de la victoire de la guerre. C'est une fête spirituelle. Lorsqu'on dépend de Hakadosh Baruch Hu, alors Hakadosh Baruch Hu nous aide. C'est ce qu'on apprend de la fête de Hanouka. Les Hashmonaïm, ils dépendaient de Hakadosh Baruch Hu. En plus, ils dépendaient de Hakadosh Baruch Hu, ils sont sortis faire la guerre. Ils ont dit il y a qui comme toi, Kadosh Baruch Hu? Adonai Ishmael Hamas, c'est toi qui fais les guerres. Donc lorsque la guerre a été gagnée, donc c'est Hachem qui a gagné, c'est pas eux. Puis c'est pas eux qui nous ont gagné, pourquoi voulez-vous qu'ils font une fête de victoire? Non. Mais par contre, ils ont fait une autre fête qui leur concerne, qui sont restés juifs. Ça oui, c'est la Hanouka. Nerot, c'est la Neshama qui s'appelle Ner. Heureusement que cette Neshama, cette âme juive est liée encore. Heureusement. Heureusement. Voilà la fête qu'ils ont fait, la Hashmonaïm. Comme Youssef Hatzadik. Toute la vie spirituelle de Youssef, c'est parce qu'il était attaché à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il a réussi, Youssef, même lorsqu'il est devenu roi, il est resté toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que Yaakov Abinu, alayhi salam, lorsqu'il a entendu que Youssef est vivant, il était super content. C'était quoi la joie de Yaakov Abinu? C'est que Youssef
avec tous les mérites qu'il a eu, c'est qu'il est resté juif en Égypte. Parce que une fois qu'il est devenu roi, il aurait pu craquer, c'est le royaume, c'est le règne, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est le caveau, etc. Et Youssef est resté un tzaddik, un grand tzaddik. Voilà mes enfants, je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Hanouka. N'oubliez pas, le 4 décembre, c'est la Hiloula de Rabbi Chaim Pinto. C'est le grand gala qu'on fait. Donc, si Dieu veut, le gala annuel des institutions Hevat Pinto est dans les salons hôtels de l'hôtel Concorde Lafayette, 3 places du général Koenig à Paris, samedi soir, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, le 4e jour de Hanouka. Kadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous Bracha Be'etzlacha. Et que Hachem vous donne à l'écoute et à l'écoute.